Et salut à tous les amis, c'est Vnecter et on se retrouve pour l'épisode 13 sur Oblivion. Donc la dernière fois on avait tué, enfin difficilement tué 2-3 vampires. Donc on va aller rendre la quête tout de suite à Azura. Donc je le dis d'avance, je vais faire peut-être 2-3 épisodes. Donc sacrément moche. Bon. Merci mortel. Leurs esprits sont libres. Et désormais 5 bougies brûleront au-dessus de mon sanctuaire pour toujours. Pourquoi j'ai pas de voix? En mémoire de leur sacrifice. Pour votre service. Prenez ce souvenir. Bon, vous allez lire. Que vos actes figurent dans le livre du destin. Oh. Azura vous donne l'étoile d'Azura. J'ai l'artefact dont Martin a besoin. Attendez, j'espère que c'est pas un bug. Que désirez-vous? Tout Anvi. Là. Il n'a pas envie de me parler. Adieu, porteur de l'étoile. Que désirez-vous? Bon. Ben. Adieu. Que désirez-vous? Le jeu a décidé de bugger les gens. Adieu. Donc, je sais pas. Non, même pas. Il va. De l'étoile. Bon ben j'irai ça. Ok. De police. Et oui, je suis un gros feignant, je me TP. Parce que déjà qu'on avance pas bête. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas de voix. Faudrait que je vois ici, je peux pas. Quand même, Martin, toi tu vas me parler. La section suivante du Mysterium Xerxès. Martin, qu'est-ce que tu me fais, Martin? J'ai l'artefact des. Je ne vous demanderai pas ce par quoi vous êtes passé pour obtenir ceci, mon ami. Je ne connais que trop bien les dépravations des princes d'Oblivion. Êtes-vous prêt à me donner l'artefact? N'oubliez pas que le rituel absorbera sa forme physique. On ne le verra plus sur Tamriel pendant de nombreuses années. Non, bah, je vais le garder pour moi. Comme vous voudrez. Je fais chier à Mes tuer trois vampires. Pour le rituel seront différents, en fonction de l'artefact utilisé. Aussi en aurai-je besoin le plus tôt possible. Ok. Je travaille toujours sur le deuxième élément nécessaire pour le rituel d'ouverture de la porte. Je pense être sur le point de déchiffrer le passage approprié. D'accord, Dak Martino. Ah, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi j'ai pas les voix? C'est bizarre. Allez. Je crois qu'il y avait un passage de l'intérieur, mais bon, ça c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, l'autre qui casse. Il est déjà là-bas. C'est vrai que j'en carotte un ou deux, j'ai fait des mains. Martin. Bonsoir, monsieur. La section suivante du. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vous demande. Ah, mais je suis pas encore d'accord. Ah, mais tiens, je t'ai fait ton étoile à la con. Adieu, mon ami. Oh, je suis trop con. Je viens en train de, être en train de gueuler. T'as mal cliqué. Ok. Que voulez-vous, mon ami? Pas de parler, déjà. Je viens de recevoir des nouvelles de la comtesse de Bruma. Selon lesquels, une porte d'Oblivion, c'est l'aube mythique, semblerait mettre son plan. Bon, comme Bruma, c'est la merde. Le capitaine. Donc, on va aller aider une gourde de comtesse à refermer la porte. C'est parti. Mode feignant. Oh, je suis un feignant. Devant ? Je pense que c'est ça. Dans mes souvenirs.
Ah, j'aime ça, des pigeons en jaune. Merci d'être, venu. Bon, je traduis vite fait ce qu'il a dit. Il faut refermer la porte. Il veut pas faire un petit discours. Très bien, les gars. Écoutez bien. Nous devons refermer cette porte. Personne n'a envie d'aller là-bas. Mais c'est notre boulot. Et nous allons le faire. Sinon, Bruma partira en fumée. De la même façon que Kvash. Ouais, j'aime bien les déplacements de côté, je suis pas sûr que dans Skyrim ce soit comme ça. Que je suis capitaine de la garde. Par contre, si on fait comme ça, moi je suis mieux que Michael Jackson. Et Dieu est tout ce qui sort de cette porte. Montrons à ces salauds comment on se défend à Bruma. Nous sommes avec vous, capitaine. Tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Soyez vigilants. Come on. Pour l'instant, tout va bien. J'attends qu'il rentre, sinon ça fait bugger. Bon. C'est tout ce que vous savez faire. Allez, rentre. Voilà. C'est sinon après il fuit pas, c'est un bug du jeu, je crois. Le mettre, le chronomètre. Pour l'instant, tout va bien. Oui, oui. Attention! Le sonnant, il y a comme une visage. De toute façon, ouais. Il se débrouille très bien. Ah ok, ils sont partis les tuer pour... Ce n'est pas... Suis-moi, est-ce que tu veux bloquer ? Bon, il faut aller dans la tour. Donc on se balade les amis. Non, des mobs. C'est bête. J'adore qu'il y a danger. Oh, je suis sûr qu'en sautant j'arrive de l'autre côté. Non, je suis pas sûr. On met pas dans le vide. Hein. C'est dans la lave. Côté là, y'a rien. Trace. Me battre. Okay. Allez, lui c'est un bon, il a tué son pote. Eux, c'est des bons. Je prends le bouclier parce que dans tous les Zelda Scrolls, j'adore faire la collecte des boucliers, c'est comme ça, demandez pas pourquoi. Donc c'est mieux ou c'est moins bien que ce que j'ai. La tête a fait 7. Bon, ouais. Oh, non, non. Franchement l'autre ça m'a pas été. Son pote comme ça d'ailleurs. Je pense que ça me fait chier. Donc il faut vite se... Là par contre je taille, parce que je sais pas si vous vous souvenez mais c'est merde, ça tourbille lol. Et ça one shoot. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, moi j'avance.
Genre, je touche pas. Oups. Ah, je ne suis pas. Attendez. Voilà. Ouais, c'était qu'une flèche des griffes, c'est pas grave. Et lui, s'est fait tuer ou c'est loin? Je l'ai celui-là. Je pense qu'il faudrait que je désactive le mode au niveau de ça, là, les déplacements. C'est bizarre quand ça marche. C'est bête à dire, mais je préfère quand il reste rigide en fait. Ça fout la nausée de les voir marcher comme ça. Hey, copinou. Attention. Ah merde, je tape mon rire. Tu veux pas? Oui. Ça va bout de ton cœur. Et l'entrée doit être par là quand même. Ça doit pas être très loin. Ah, il doit pas être loin, il y a plein de dédras. Donc je te défouille. Ah, ça va. Ah, je suis trop lourd. J'y suis trop lourd, je suis trop lourd, je suis trop lourd. Qu'est-ce que je pourrais lui faire? Ah non, celle-là faut que je la vende. C'est plus léger. Résistance au feu, résistance au froid. Ça revient au même. Toi, come on. Come on, ma bitch. Wow. De toute façon, une fois qu'il aura plus de mana, il sera obligé de venir. The Breaking Beach. Allez. Attendez, je le fouille. Je prends son cœur, je suis trop lourd. Alors moi, je lui donne un truc qui pèse, un truc qui pèse, un truc qui pèse. Hop là. Et lui, il a quoi? Je prends ça. Et je me casse. L'autre on l'a perdu. Il a bugué sur nous. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Attention. C'est bon. Quand il saute. Ah, je suis trop lourd, je suis trop lourd, je suis trop lourd. Ouais, c'est ça. Voici un autre. Bon, mais ça tombe bien, c'est lui qui l'a gros à chaque fois. Vas-y, je prends. Déjà, je fais ça. Le crème, résistance au froid. Ah, toutes ces gemmes, ça pèse lourd quand même. Les marteaux, tiens. C'est ça ? Impossible en combat. En voici un autre. Mon arc, les bottes, bon, je vais tout réparer. Voilà, armurique, voilà un peu.
tant mieux. Et je suis plus léger. Donc voilà, je pense que par là on est bon. Quel est le plan? Suivez-moi. Viens de départ ici. Bien. Yeah. En voici un autre. Où ça? Wow, peut-être les plans du genre. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il doit y avoir un bug. Hein. Il doit voir les mobs. En voici voilà. Un autre. Que ce que j'ai fait là, ça ne sert strictement à rien. C'est bien. Bon. J'aurais visité au moins que j'aurais été sur le fait. Voilà. Je l'ai, ce gars. Yeah. Ah. Ça j'adore ce gage. Alors, si je fais comme ça, voilà. Bon, une porte d'obliure, hein, c'est pas intéressant franchement. Hein. On va refaire un tour dans l'inventaire. Voilà, on va passer. Parce que niveau poids, là, je suis just. Ça commence à faire serré. Qu'est-ce que. Pourquoi je garde ça aussi? Bon, on se rapproche du sommet, hein. Voilà. Ah, j'ai pas fait gaffe, hein. Je sais pas si c'est dans le jeu de base ça. Attention. J'ai foutu un paquet de coups là. Oh, ça se tente. Ça se tente parce que ça coûte quand même assez cher. Si je peux le revendre direct après, à la sortie, je vais le vendre et puis. Ça peut se tenter. On va quand même attention. Essayer de finir la tour pour cet épisode là. Oh, qu'est-ce que je te fais? Pas se mentir. Non, le mec il lui arrache le cœur comme ça. Tu bois ton âme. Un peu le coup, il y a le con avec la clé. Comme d'hab pour changer. Ton épée, t'as intérêt à me la loot. Ah oui, ah t'avais intérêt. Alors ça, vous voyez déjà, une épée des draps, voilà, c'est une épée des draps, parce que ça pèse hyper lourd. Ça pèse. Voilà,
Et voilà, et tu fais quoi? Tu fais le malin? Oh, et le bouclier. Oh, et le bouclier, et mais franchement. Et là, on a de la chance. Regardez. Je sais pas trop si je joue masse bouclier, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué à demain. Ah, je suis trop lourd, je suis trop lourd. Ah, trop de pression, trop de poids surtout. Ah, ça fait cher, Ah, je suis trop lourd. Voilà. J'ai la clé sigillaire. J'ai atteint la chambre de la pierre sigillaire. Non, c'est pas vrai. Voici un autre. C'est un moment que j'ai pas joué. Pas sûr qu'elle soit vraiment plus puissante, mais c'est pim. Franchement. Attention. Franchement, moi le stuff d'Edric, j'adore ça. Le stuff d'Edric et le stuff en vert, une fois qu'on en aura. Ah, enchaîner. Oh. Oh. L'arc. Non, déjà. Ah, c'est pareil, je suis trop lourd. Franchement. Ah ouais, mais les flèches des draps pèsent hyper lourd. Pour ça. Attends, j'ai vu plus quelque part. Voilà. Oh, il est beau le truc là. Oh yeah. Ce skill. Je te l'ai fouillé en l'air, y'a rien compris. Bon, il faut vite que je sorte et que je me dépêche d'aller vendre, parce que sinon je suis très très mal. Allez. Ah, c'était une petite eau, on l'a vite fait. Vite fait, bien fait. Moi, je vous dis, hier, j'ai fermé la porte. Donc, vite, je sais, oui, j'ai fermé la porte, tout le monde est content. Donc, j'ai vite allé vendre. J'irai lui taper à Cosette après. Tant que j'ai la potion plume. Bon non, l'épisode ça fait déjà un petit moment, donc je vends tout ça. Vous pouvez bah, cliquer à votre guise sur les liens qu'il y aura à la fin de la vidéo. Et je vous dis à très vite et à très bientôt les amis. Allez, ciao tout le monde.